Et bonjour à tous et bienvenue, épisode 13 de My Colony. Ça a un petit peu évolué, on a deux versions de plus maintenant, on est en build 79, 0.79.0. Donc j'espère qu'il y a quelques bugs qui ont été résolus parce que je me suis retrouvé confronté à quelques bugs, notamment sur... Oh oui. Oui, il fonctionne. Non, fonctionne pas. Fonctionne pas, je sais pas. Bon, on a les Medium Recycling Center là qui semblent ne pas fonctionner, enfin qui semblaient ne pas fonctionner, mais maintenant je vois que j'augmente en acier, alors j'ai des doutes. On va bien voir. Quoi qu'il en soit, j'ai à foison. Alors, on va faire un petit tour rapidement avant de continuer. Premièrement, ici, j'ai construit des Advanced Medical Research. Donc, j'en ai créé. Et ce truc, c'est une tuerie. Ce truc, donc, ça emploie une centaine de personnes. Ça peut prendre une centaine de patients en charge. Et surtout, ça produit des points de recherche en masse. Mais en masse, le truc. Si on regarde la ressources, la quantité que ça me produit, voilà, comparé au petit laboratoire de recherche qui me produisent 8, alors ça me produisait un tout petit peu plus parce qu'on avait plus avant, mais ça me produit 1000 les 5 medical research centers par minute, donc c'est bon quoi, voilà, on voit comment quand j'ai commencé à les construire ici là, poum, c'est parti en live quoi. Donc ça, voilà, j'ai Donc ça déjà, ça a été la première tuerie. J'ai supprimé mes anciens réservoirs d'or pour faire des synthétiques en plus. Ici, alors ici, voilà, c'est vraiment... Donc j'ai une centaine, je crois... Non, j'ai 50 Galactic Board Trade, qui est le truc qui me produit le plus de pognon à moindre coût. Et ici, j'ai 250 banques. Alors c'est plus pour le civisme que pour la rentrée d'argent. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, ici je me suis fait une réserve de bouffe supplémentaire parce que voilà, j'avais l'impression que j'avais pas beaucoup de marge. Ici, mes Recyclic Center. Alors, j'ai fait des Small Center qui eux, fonctionnent nickel. Par contre, j'ai l'impression, et j'ai remonté ça sur le forum de la communauté, que les médiums, eux, par contre, bug, et surtout sur la production d'aluminium, et ils gèrent très très mal en réalité. Très très mal en réalité, excusez-moi, le trajet. J'ai entendu du bruit dans le. J'ai entendu du bruit dehors, c'est pour ça. Au niveau, voilà, au niveau, hop, des solar panels. Voilà, j'ai presque tout changé en diamant. Donc il reste plus grand-chose. Enfin, plus grand-chose à faire évoluer. Ensuite, ici, j'ai construit d'autres centrales à hydrogène qui me produisent pas mal. J'ai fait également plus de fiches hatcherie. Donc voilà, pour le poisson. J'ai viré les champs de patates pour mettre... voilà, pour décaler les hydroponiques. Mais à terme, pareil, on supprimerait les hydroponiques, on ne fera plus que du hatchery, c'est ce qui produit le plus. Alors c'est très triste d'avoir un monde sans patates, mais je dois avouer, ça, voilà, je vais peut-être faire un champ de patates quand même quelque part, juste pour le délire, parce que je trouve ça super triste. Ici, ah oui, je crois que ça vous l'avez pas vu, mais j'ai réaménagé le centre-ville, où je vous ai montré à l'épisode précédent, je sais plus. Mais voilà, j'ai réaménagé le centre-ville. Ici, oui, ici. Alors, ici, j'ai détruit les hôtels qu'il y avait parce que ça me consommait beaucoup trop de vêtements. J'avais plus de vêtements. Ici, par contre, donc j'ai construit un zoo et j'ai construit le shopping mall qui me produit du pognon assez massivement et qui a une forte capacité, voilà, pour les touristes. Si je regarde au niveau des ressources, l'argent, voilà, bon, ce sont les Galactic Trade qui me produisent le plus, la banque, la pyramide, elle est pas mal quand même, hein. Les Luxury Tower, alors on va en parler des Luxury Tower. Oh, ça arrive loin quand même,
Là, il est là. Ah oui, non, il produit pas tant que ça, mais bon, c'est déjà ça. Les Microchip Factory, ça n'a pas évolué. Ici, bah, j'ai dû bouger un petit peu, tout ça. Donc ça, c'est bon. Au niveau, donc, voilà, donc j'ai toujours mes 5 catcheries. D'ailleurs, ouais, ici. Attends, je vais juste reconstruire rapidement. Hop. Mes gold. Mine. Hop. Ça prend une seconde. Voilà. Donc ici, donc c'est bon, attendez, je vais juste décaler un petit peu. Donc ça c'est bon. Ici, ok. Ici on a vu. Là-bas. Là-bas, donc, voilà, j'ai construit quelques résidences en plus. Le problème, c'est qu'apparemment, ces résidences-là ne plaisent pas forcément à tout le monde. Et me produisent énormément de déchets. Alors, moi, j'ai eu des gros problèmes de déchets pendant un petit bout de temps. Là, j'arrive un petit peu à l'équilibre. J'ai fait également quand même... Ah, d'accord, ok, c'est plein ce truc. Un bunker pour les gens qui veulent vivre en intérieur. Voilà, bon, bah... En fait, j'ai voulu diversifier les habitats. Parce qu'apparemment, voilà, il y avait ça déplaisait en fait aux colons de pas avoir ce qu'ils voulaient en pognon. Et ici donc j'ai créé des lofts. Alors les lofts c'est intéressant parce que ça me produit des peintures en plus. Alors par contre ça me consomme du rhum. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Pour le moment je ne sais absolument pas. Les peintures j'en accumule. Non, ça ce sont les anciennes instructions, ça c'était un cadeau ça. Voilà, j'en produis, mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'en avoir ça rend la population heureuse? J'en sais rien. Est-ce que ça peut me permettre de créer un musée? Non, j'en ai déjà un. Je sais pas. Donc ça, voilà, je vous le dis, je sais pas. Ici, j'ai créé plus de fermes à... De fermes, voilà. Et ici, ouais, donc voilà, pour créer des distilleries, voilà, j'ai refait des distilleries. Donc voilà, donc ça, c'est bon. Voilà à peu près où j'en suis. Donc ce que j'ai énormément évolué, voilà, c'est ça, hein, c'est l'énergie, c'est essentiellement là-dessus que je me suis basé, et un petit peu de logement. D'ailleurs, je devais voir, ouais, donc je produis toujours de la... des colons. Alors, je regarde un petit peu mes ressources. Normalement, j'ai ce qu'il faut pour passer à la suite. Alors, et la suite, c'est... Donc, on a la galactique gouvernance. Ça, on peut le faire très rapidement. Et surtout après, on a les anciens Alien Language. On va commencer déjà par la gouvernance galactique. Alors, juste un truc, à chaque fois, vous avez vu, on a le Capitole. Le Capitole n'est utile, enfin, on ne peut le faire seulement que lorsque l'on déclarera notre indépendance. Notre indépendance, on peut la déclarer là. Là, si on a envie, on peut le faire, mais pour le moment, je préfère encore profiter de l'émigration et de pouvoir la contrôler. Donc, on prend la galactique gouvernance. Hop, on va aller dans gouvernement. Et maintenant, j'ai le consulat de niveau 3. Donc, on va rapidement supprimer et on va construire le consulat de niveau 3. Voilà, on va juste créer ça très rapidement. Donc voilà, c'est juste ça et on va voir les options que ça m'offre en plus pour voilà pour la création de tout ça. Alors attendez, aussi si j'ai besoin de voir pour les robots. Donc ok, donc j'ai les drones de construction. Ah non, ça me demande des robots, ça me demande pas de bah ça je peux en produire ça. Je vais en produire 5. Je peux même en produire un peu plus. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. J'en construis 5. On va voir un petit peu ce que ça. Alors les turbodrones, ils sont en jaune, c'est pour de la. Voilà, c'est pour du.
C'est du premium. Et ça me demande des trucs anciens là. Ok, c'est long à construire. On va les laisser faire. Ensuite, donc le consulat, on l'a presque. Donc ça va être utile. Les robots vont être utiles pour construire la suite, hein, pour construire. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Donc, on peut toujours déclarer notre indépendance. Au niveau du labor, hop, on a toujours. Ouais, ok. Donc, ce sont toujours les salaires que j'avais fixés. Donc, ça, pas de souci. Attendez, excusez-moi. Ah, le rationnement. On peut. D'accord. Ok. Si on a des problèmes de bouffe. Non. Ok. D'accord. Non. 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 Surtout pas. Mais si on a des problèmes de bouffe et d'eau, on peut rationner notre voilà. Donc c'est ça notre truc en plus. D'accord, on peut rationner. D'accord, puis on a la loterie. Bon, puis on a la loterie. Donc ça c'est bon. On a les consulats, on a tout ça, pas de soucis. Je vais juste remettre un petit peu. Voilà. Donc c'est bon, 10 minutes, on a fait le tour et on a déjà fait le consulat. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va stacker. Attendez, je revérifie juste un truc. Non, on est bon. On est bon, on est bon. Voilà. Et donc je voulais mes robots. S'il vous plaît, les robots. Voilà, je mets 5 robots, puis je vais les parquer. Je vais les parquer avec les autres. À savoir, je vais les mettre là. Voilà, comme ça ils sont là. Et on va rechercher. Ah d'accord, ok. Alors, il y a d'autres choses qui sont. Apparemment, on a des banques supplémentaires. On a des nouvelles banques. On a le nationalisme. Ah. 100 000 points de recherche. Ça nous fait quoi? Le capi. D'accord, ok. Le Capitole. Level 4. Donc ça, de toute façon. Apparemment, il faut qu'on ait déclaré notre indépendance, visiblement. Et c'est un truc un petit peu qui fait sonner régime totalitaire quand même. Hein. Mais bon. Et surtout, voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont les aluminium générateurs. Ça, c'est absolument le truc qu'il me faut. Et pour le reste, on verra après. Il y a un charcoal converteur, je ne sais pas ce que ça fait. Et on peut améliorer nos synthétiseurs d'or également. Donc, on va partir là-dessus. Donc, dans Alien Tech, non, c'est pas ça. Donc, c'est dans ressources. On peut normalement construire. Non? C'est où? Durable Goods? Non plus. Bizarre. Ah oui, le conférence mall. Alors, je l'ai construit, mais ça coûte trop cher de le faire tourner. Il est là. Il est désactivé, mais il est là. Et il consomme, en fait, voilà, du ROM, des microchips. C'est surtout les microchips qui m'emmerdent. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas. Je l'ai créé, mais je l'ai pas. Ok. Il y a ça. Donc, il y a le Giorgio. Alors, ça existe. Ça sert à quoi, ça? Ok, donc ça c'est pour produire des recherches. Donc c'est peut-être encore plus puissant que ça, je sais pas. Non. Ça prend combien? 2 x 2. En tout cas, ça remplace pas mes medical research. Je vais garder mes medical research de toute façon pour le moment. Donc ça, pas forcément utile. Ensuite. Non, je suis désolé, dans ressources, j'étais censé avoir mes synthétiseurs de. D'aluminium. Ils sont où?
C'est ouf ça. Attendez, je regarde. Alors là, je suis un peu dubitatif. On va. On va prendre le deuxième niveau, on va bien voir. Alors. Attendez, on va prendre All Building parce que. Ça s'accote un petit peu. J'ai le jeu qui devient de moins en moins fluide au fur et à mesure qu'on progresse. C'est un petit peu dommage. Mais c'est un jeu qui est en constante évolution, hein, donc. Oh! Oh! Ça a l'air cool, ça! C'est un ascenseur. C'est un ascenseur spatial pour faire de l'import-export. Ça peut être sympa, ça. Donc non, les trucs aliens là, je ne les vois pas. Ou alors, c'est parce que il me faut. Ah voilà. Il me faut les extraterrestrial builders, donc les constructeurs extraterrestres. C'est pour ça que j'ai rien qui s'affichait. Ok, ça me coûte 10 artefacts d'en créer un. Ouh la vache. J'en crée 5. On va y avoir. Ouh, c'est long. Ok, c'est long. Bon, bah, on est parti là-dessus, hein. De toute façon. Donc, ça se dit une chose. On va regarder. J'ai encore 700 000. 700 000 points. C'est quoi ça? Synthétique textile mill. C'est pour créer des vêtements synthétiques? Wouf. Pas forcément utile ça. Ça pour le pognon. On va le prendre pour le pognon ça. Est-ce que je peux upgrader mes banques avec ça? Donc c'est pas les banques. Enfin, je peux pas upgrader les banques, mais est-ce que c'est parce que je manque de ressources? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces ressources que ça me demande? Mon Dieu! La vache, c'est violent! Je pourrais jamais le construire, je produis pas assez de ressources. Ça demande 75 000 microchips, 25 000 d'aluminium, ça me coûtait bonbon. Du oil. Ok, d'accord. Putain, et ça me coûte 2 500 000 en pognon de le créer? Purée! Ok, d'accord. Donc ça, pour le moment, on va oublier, hein. Ça, par contre, c'est envisageable. Le Space Elevator, c'est envisageable. Alors, mes cliniques là, enfin mes civic centers, je vais les supprimer. Ah, ça me produit du pognon. Ouais, ça me produit rien en pognon. Je vais les supprimer. Delete all. Hop, yes. Et je crée mon Space Elevator. C'est. Oh! C'est. Wow, c'est grand. C'est. Ok. C'est grand, c'est grand.
Mais on va se construire ça. On va se construire ça. Bing. Et donc j'ai mes robotiques qui vont aller créer ça. Attendez, pour le moment je vais les déplacer. J'en ai que 3 qui sont créés sur les 5. Par contre, c'est vrai que si je clique dessus, voilà. Là, je peux créer ce que je veux. Ça va, ça? Alors, ça va être là le problème, c'est que ça va me coûter. Alors, j'ai quoi? D'accord, donc ça me consomme de l'uranium si je veux m'en servir. Oh, la régolithe! Oh, ça peut me créer de la régolithe. Ça se vend masse cher, la régolithe. Et merde. Non, c'est rien. C'est les microchips. Les microchips, ça va remonter. Alors, question, ça c'est U1 fois 1. Est-ce que. Ouais. Donc, je peux upgrader ça si je veux. Mais bon, pour le moment, le gold, c'est pas le problème. Hein. Honnêtement, voilà. Donc, ça c'est non. Pour le moment, c'est non. Parce que ça me servira à pas grand-chose. Alien Tech. Alors j'hésite avec le or zapper, mais il me faut l'aluminium. Il me faut l'aluminium, donc quitte à en racheter tout à l'heure, je vais racheter un petit peu de. Un petit peu de microchip. D'accord, ok. Donc, hop. C'est bon, j'ai mes 5. Je vais les parquer. Je vais les parquer. Ici. Allez. Je les parque sur la route. J'ai un cadeau là. C'est du pognon. C'est du pognon. C'est du pognon. Moi ici pareil, hein, je suis en train de démolir la forêt que j'ai construite parce que j'ai l'impression que les arbres aussi, ça a un fort impact sur le jeu quand même. Donc ça, on est bon. Alors, j'hésite entre racheter les microchips ou attendre la production. De toute façon, ça produit. Question, est-ce que au niveau ressources, le fameux. Ah ouais, ça me demande des microchips aussi, ça. Est-ce que ça, il va m'en falloir plus? Ça, si je veux avoir le truc d'alien, là, il m'en faut beaucoup plus. Et à la limite, je peux les créer là. Bon, ça, j'en créerai plus hors caméra. Ça, c'est sûr, parce que un seul, ça me suffit pas. Donc, je les créerai là-bas. L'aluminium générateur. Les aluminium générateurs, de toute façon, je les créerai là. On va acheter un petit peu. On va acheter un petit peu. Juste attendre que ça. Voilà, que ça se. Ça se finisse. Alors, il y avait ça. Ah, et ça sert également de stockage pour les artefacts aliens. Ouais, mais ça va. Bon. On s'en tape. Alors après, voilà, il y a les anciennes or aussi. Ouh, ça coûte cher. Ça coûte aussi de l'uranium, quoi. Ça, c'est un gros problème. C'est que l'uranium, je peux pas en créer. Le hors zapper, ça c'est un truc qu'il me faudrait aussi, mais voilà. Donc là, ce qu'il me faut en priorité, c'est l'aluminium, parce que l'aluminium, là,
J'en ai marre d'en acheter sur le marché, honnêtement. Je suis obligé d'en acheter sur le marché si je veux continuer à survivre. Donc voilà. L'avantage, c'est que ça va pas me coûter d'aluminium à ancrer, à créer les aluminium gènes. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, ah d'accord, ok, 425, 300. Je vais pouvoir en créer au moins un là prochainement. Wouah, les merdes. Hop. Putain, je pouvais l'upgrade. Pas grave, je le vendrai. Je le vendrai, puis ça me fera une place ici. Je pouvais upgrade ce truc-là. Bah oui, il fait 7. Il fait 7. Donc mon truc là, en fait, je pouvais simplement upgrade ça. Et ça m'aurait coûté moins cher en plus. Question, si je l'annule, je récupère les ressources ou pas? Oui, j'ai récupéré les ressources. Donc, on va plutôt upgrader. Excusez-moi, donc on a perdu un petit peu, mais... Enfin, on a perdu un petit peu de temps surtout. Mais voilà, je préfère à la limite upgrader. C'est moins chiant. Enfin, ça coûte moins cher. D'upgrader plutôt que de... Ouais, voilà, ça me coûte nettement moins cher. Et donc là, résultat, j'ai les microchips pour pouvoir éventuellement faire de au moins un d'aluminium. Donc on va le faire là. Ici. On va le confirmer. Et on va voir combien ça produit. Bon, donc ça se construit. Ensuite, donc j'ai ça. Alors ça me demande de l'aluminium, ça me demande des microchips. Donc ça, on verra. Ça, on va voir. Je vais attendre que déjà mon générateur d'aluminium soit créé. Vous allez récolter l'or que vous venez de créer. Ici, je regarde un petit peu, mais en fait, ici, si je regarde, hein. Ouais. Alors, je vais construire là comme ça. La question, si j'en construis 6, ouais, peut-être plutôt. Mince. Bon, je vais y arriver. Si j'en construis. 4 et 5. 300 de steel. L'aluminium, ça va. 10 000, je peux encore l'acheter sur le marché. Le steel, ça augmente quand même très vite. Et seulement 100 000 de pognon. Donc dès que mon aluminium est créé, éventuellement je peux partir là-dessus. Par contre, si avec l'élévateur de machin là, je peux expulser des ressources 10 000 par 10 000, je vais m'éclater. Parce que clairement. Alors, ce qui m'inquiète par contre, c'est ma. Comment? C'est mes déchets. Ça, c'est le truc qui m'inquiète, mais ça m'inquiète surtout parce qu'en fait, ben, j'ai mes recycleurs de qui fonctionnent pas, quoi, qui bug,
qui sont en plein bug, les trucs. Donc ça me fait de l'emploi, hein, donc c'est pour ça que je les détruis pas, mais ça bug. Les recycling, c'est bizarre, ceux-là ils fonctionnent nickel. Alors, à quoi je vois qu'il fonctionne, hein, tout simplement, quand je vais dans Statistics, Ressources, et que je vais dans Trash, voilà, je n'ai que les Small Recycling Center qui sont affichés. Et voilà, et donc je voulais vous montrer ça, hein, donc les Luxury Tower, c'est l'orgie niveau déchets. Bon. On va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre. Ouais, donc voilà, apparemment ça c'est bon, ça c'est reparti, mais c'est chelou parfois. Ah, alors. Là, je peux débloquer même les panneaux encore supérieurs. Ouais, mais de toute façon, j'ai passé l'artefact. Donc, ça, c'est mort. Ça, ouais, ça me coûte des artefacts. Il y a le nationalisme. Ça me débloque le consulat niveau 4. Let's go. Bah oui, hein. Bah oui, bah oui. Dommage, je peux pas l'upgrade. D'accord, il me faut les robots, c'est ça? J'ai pas fait attention. Ah non, c'est bon, j'ai mes avancées de robots là qui avancent. Donc il y a ça. Donc je vais avoir le consulat niveau 4 également. Donc peut-être plus de politique possible. Par contre, c'est la politique nationaliste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Oh. Je crains le pire. Sachant que le jeu possède quand même pas mal de trucs troll, j'ai peur du point Godwin là, je vous avouerai. Mince. Bon, arrête de bugger, jeu, s'il te plaît. Oh là là, il galère. C'est ouf. Bon, allez, hop, construis-moi ça. Alors ici, c'en est où? 7000 d'acier ici. Ici, c'est aussi de l'acier. 15 000 d'acier. Ouais, donc c'est bon, ça rentre. Et le consulat, pareil, de l'acier. Juste en acier, j'ai l'impression. Juste avec ces trois bâtiments-là. Oh, well. J'attends juste que ça soit construit pour vendre notamment des jouets. Parce que les jouets, voilà, je suis au max, là, ça me... On va voir un petit peu ce qu'il y a ailleurs. Alors, dans l'éducation notamment, par exemple. Non, j'ai rien de nouveau. Dans le tourisme... Ah, il y a un nouveau truc là. Ah oui, je l'ai vu ça. Ça peut être intéressant à créer, je crois. Bah, ça peut être intéressant. Si, pour le divertissement. Pour le divertissement, ça. Oh putain, j'ai le grand stade.
Parce que vraiment, j'ai qu'un petit stade, donc ouais, il y a ça. Donc ça, on avait déjà vu. L'hôtel, c'est de la merde. Donc, Medium Stadium et Big Play House. Ça me demande 20 000. Je peux peut-être en créer un quand même. Bon, voilà. Dans le tourisme, il y a ça. Dans le gouvernement, on a vu. Donc, j'ai aussi les anciens consulats que je peux toujours créer hein, ailleurs. Mais en soi, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, ok, c'est normal. Donc, il y a ça. Donc, ça me demande des microchips, évidemment. Mais ça va me permettre d'améliorer, normalement, les anciens machins là. Ah oui, il y avait le. Ah, il y a ça aussi. Il y a tellement de choses. Bon, ok. Donc ça c'est bon. La recherche, on a fait le tour déjà avant. L'économie, donc il y a maintenant le Space Elevator. Et j'ai dit qu'il y avait le truc, de, voilà, l'investissement banque qui demande un pognon dingue, comme dirait l'autre encore une fois. Mais voilà. Donc l'économie. Ensuite, ah, au niveau des maisons, on n'a pas vu. Bon, il y a un truc là qui est. D'accord, on a les largeurs complexes. Ça sympa ça. Ça a l'air sympa et puis ça coûte. Ben, ça coûte beaucoup de ressources. Ouais, ça coûte des diamants. Les diamants, j'en ai besoin pour mon électricité. Malheureusement, je ne peux pas à cause de ça. Mais par contre, voilà, dans le reste, de toute façon, je peux toujours me débrouiller. Notamment avec les trucs souterrains qui peuvent produire, qui peuvent héberger 1000 personnes. Voilà, bon, allez. Donc là, housing, c'est bon, j'ai vu. Immigration, est-ce qu'on a quelque chose de. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, bah ça, tu pouvais prévenir peut-être? Ça, j'avais pas vu. Que ça pouvait apporter des gens. Au niveau du storage, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Entertainment. Donc si, il y a le Medium Stadium, ça on l'a dit. D'accord, la Playhouse, ça compte pas comme de l'entertainment. C'est vraiment que du tourisme. Ok, d'accord. Bon, les farming, ça n'a pas changé. La bouffe. Ah! Oh! 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 C'est envisageable? Bah ouais, mais non, 100 d'artefacts pour chacun. Oh, et. Juste pour info, par contre. Ça coûte cher au niveau pognon. Ça me demande 4 000 d'alien artefacts. Mais pour le reste, le prix est correct. Honnêtement, si je voulais faire passer tous mes hydroponiques, il n'y a que les aliens artefacts qui vont vraiment me poser problème. Mais ça peut être intéressant. Et si on manque de bouffe, notamment. Alors, on va essayer de vendre un petit peu. Oh, donc, c'est ça, ça se vend par 10 000. Et j'ai l'impression que je peux vendre des nouvelles ressources, mais c'est peut-être des nouvelles ressources liées à la mise à jour récente. La vache, la flotte, ça dégage. Hein. Ok. Le bois. La clé, évidemment. Bon, le charbon, je peux en vendre. Le truc c'est que 10 000 par 10 000 ça part très vite.
Bon, ça vaut pas le coup. Peu de gold. Oh, allez, un peu de gold. Voilà. Diol, je pourrais les toy. Voilà, les jouer. Alors, ça, les jouer. Hop. Fortune, les jouer. Fortune. Ok, l'uranium, alors ça oui, ce serait fortune, mais je sais très bien que ça va me... Ah, c'est bon, je peux vendre des vêtements comme ça. Oh, nickel. Nickel, nickel. La poterie, les briques. Ouais, les briques, c'est... Voilà, j'aurais besoin. Les robots, mais bon. Oh, je peux vendre du plastique. On va en vendre. Pour le moment, plastique, je m'en sers pas tant que ça. Donc, hop. Allez, 5000. On va voir un petit peu ce que ça nous fournit en plus. Donc, on a le budget, on a l'immigration, tout ça. Donc, tout ça, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu. Le rationnement à Nexland. Oh, d'accord, ok. On peut agrandir notre colonie. Mais attention, on peut dégrader la performance. Mais on peut, si on veut, augmenter notre carte. Donc, est-ce qu'il serait pas idiot de commencer sur une petite carte ou une carte moyenne et après d'utiliser ça quand on a la capacité pour. Parce que en soi, en compactant bien, là il me reste encore pas mal de terrain possible quoi. Donc, bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a encore en. Ok. On a l'impérialisme. On y va? Le consulat de niveau 5, par contre, à mon avis, celui-là, il va demander des ressources aliens. Allez, on tente, on va bien voir. Enfin, on le crée, de toute façon, c'est. Enfin, on recherche, ça c'est pas grand chose. Hop, gouvernement. Blablabla. Et donc, voilà, le consulat de niveau 5. Ah non, c'est de la city qui manquait. Ah non, ça va, ça me demande pas tant que ça. C'est juste de l'acier qui va me manquer. Donc on construira le consulat de niveau 5 et on verra ce qu'il nous propose en plus en option. Après, quand on a déclaré notre indépendance, après il y a le Capitole qui nous permet d'avoir encore plus d'options de ouf, mais bon. Ceci est une autre histoire. Bon, ça me demande du gold, donc voilà. Ben, d'ailleurs, ils en sont où? Ah, ils ont presque vidé les mines. Ils vont me vider les mines d'ailleurs. Bah ouais. Attendez, je vérifie juste un truc. Statistics, ressources. Trash. Ok. Enfin, si c'est ça qui déclenche parfois. Si ça lance un trigger ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais, ok, ils sont arrivés là, c'est bon. Parfois, mes rovers, ils disparaissent. Sans raison. Un petit peu agaçant.
Alors, les minerais, c'est pas un problème pour le moment. Donc, ce que je fais quand j'ai beaucoup de minerais, voilà, puis que c'est vraiment pas le problème, j'empiète un peu sur mes mines d'or, sur l'espace que je réserve normalement aux minerais. Voilà, on va faire ça comme ça. Et E pour la clé. Hop. On peut en vendre un petit peu de la clé, hein. J'ai honnêtement de la poterie, je vais en vendre. Voilà. Ah, ça va, 5 millions en pognon. Il me faut combien pour tout upgrader d'un seul coup ici? Il me faut 4000 diamants. J'en ai 2000 et quelques. 2700. Commence à y avoir beaucoup de ressources là-haut, hein. Ça commence à prendre une sacrée partie de l'écran. Alors, est-ce que... Non, avant, je vais regarder un truc. Ouais, je peux directement passer au Capitole Level 6 si je prends ça. 350 000. Par contre, là... comment ça déjà, ça, hein? Je produis, hein, c'est pas le problème, mais... Et ça a l'air correct, ça. Ça a l'air même carrément bon. Ah, par contre, ça me consomme de l'acier, ça. Bon. Ah, d'accord, oui, parce que ça me convertit de l'acier et un petit peu d'eau en alu. Ouais, bah oui. La question, c'est maintenant, avec ça... Statistics... Ressources... Si je regarde l'aluminium... D'accord, ok, l'inflow il est pas encore indiqué. Faut attendre qu'il produise au moins un. C'est lent. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Il va m'en falloir beaucoup plus. Il va m'en falloir beaucoup plus. Mais bon, ça me réduit déjà mon déficit, quoi. Le truc, c'est qu'il va m'en falloir pas mal, à mon avis, si je veux passer en bénéfice. Et ça va être autre chose. Bon, quoi qu'il en soit, j'avais dit que je ferais... Oh purée, j'ai plus assez d'acier. Est-ce que je rachète de l'acier? Faut combien? 60K? Oh, allez. On va apporter un peu d'acier. Non, on va faire autre chose. On va faire autre chose. Alors, je vais partir sur le principe. Le truc, c'est, est-ce que si j'en fais 5, est-ce que ça va me suffire pour réduire mon déficit? Ou pas? Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais délimiter les zones. Alors, admettons qu'il m'en faille une quinzaine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, hop. Voilà. Je réserve ces deux endroits-là pour faire des générateurs d'acier. Ou remarque, je peux construire après ce que j'envisageais ici. Non, je vais construire ailleurs. C'est ce que je comptais faire de la régolithe. Il me manque des microchips pour la régolithe.
Mais la régolithe, en fait, je vais la faire là. Ben, par là. Ah. Faire ça comme ça. Hop. Ça demande combien ça? 1 fois 1? Ouais, donc c'est ça. Alors, je vais, hop, faire ça comme ça. Alors, ça va me demander un petit peu de pognon, résultat. Donc je vais importer. Ah oui, en plus les microchips, c'est pas ça qui coûte le moins cher. Bing, allez. Voilà, je vais construire de la des trucs de régolithe. Putain, j'ai pas vu l'artefact. J'ai pas vu la quantité d'artefacts que ça me demande. Pour le moment, j'en construire qu'un. J'en construire qu'un pour le moment et voir combien ça peut me produire de régolithe. Et après, il va falloir, je vais pas avoir le choix, il va falloir que je parte sur de l'archéologie plus poussée. Donc, on va lancer ça d'ailleurs maintenant. Hop. Donc, ce qu'il me faut, ressources. Ouais, donc il me faut de l'acier. Ou alors, allez. On s'en cogne. On peut construire ça. Non, parce que ça me coûte du des artefacts et j'en ai besoin. Donc on va plutôt partir. Ah non, ça c'est le. Ça me crée que le capital, ça. Ça me crée pas le. Donc ça, pour l'impérialiste, de toute façon, il me faut le... On va le prendre... Non, parce que c'est le capital. Non, le capital, c'est ça. Donc il me faut l'indépendance, ça, pour pouvoir avoir le capital niveau 6 en réalité. Ou alors, il faut que j'ai d'abord le niveau 5 en... Enfin, que je crève le niveau 5. Hey. Niveau 5, ça me demande de la poterie aussi. Oui, j'ai vendu de la poterie, donc évidemment, voilà, il me faut de la poterie. Et il me faut 60 000 d'acier. Donc là, je retombe en fait en manque d'acier. Tout simplement. Bon. Il y a ça que je peux prendre, 40 000, et ça me coûte 400 de d'artefacts. J'en suis où niveau artefacts? 700. Non, faut que je crée des alus. Faut que je crée des aluminiums. C'est ça qu'il va falloir que je crée. Il est où lui? Il est là. Ça, c'est, ça me pompe du gold. Juste attendre que ça se termine. On est à 54 minutes. On va juste regarder la régolithe après. Je vais regarder rapidement ici. Ici, les mecs. Hop. C'est les Orvest. Et vous, vous allez me recréer vos mines. Enfin, quelques mines.
Honnêtement, c'est pas les minerais, c'est pas le problème. Honnêtement, c'est pas un problème le minerai. Alors, déjà, ça a l'air d'avancer assez vite. Putain, ça demande pas d'employés en plus. Ça me consomme de l'uranium et fait chier. Par contre, putain! Putain, t'es sérieux? Bah, je peux bien sacrifier un peu d'uranium hein, pour ce que ça va me rapporter en pognon, putain. Vache. Bon, bah, l'uranium, je crois que je vais devoir en acheter ça dans tous les cas parce que j'ai pas vu de technologie qui permette d'en avoir. Mais. En oh, purée, quoi. C'est ça, hein, j'ai pas vu là par exemple. Oil distillerie. Ah, si, Alien Enrichissement Facility. C'est pas ça qui me permet d'avoir. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai passé d'artefacts. Mais ça c'est possiblement voilà. Oh puis merde, j'ai envie de prendre ça. On va prendre ça rapidement. Juste pour voir ce que ça fait ça. Alors normalement c'est des goods. Non. Visiblement non. Donc c'est en ressources. D'accord. Putain, j'ai les... Ah, ok. Je peux faire de l'hélium. Je peux faire de l'hélium, ça y est. On va tellement avoir de choses. Écoutez, je vais juste augmenter un petit peu en ressources et on se retrouve, on crée ça, on crée de l'hélium, on crée. On fait fortune. Clairement, on va faire fortune, quoi. Attendez, on va juste rapidement. Hop, hein. Ça coûte. Allez, hop. 500, c'est ça? J'ai déjà 1000. Allez, hop. On va créer nos petits extracteurs d'hélium 3 là. Non, on va pas les créer ici. On va créer un nouvel endroit exprès pour ça. On va créer ça là. Attendez, je crée juste le. Voilà ça. Et donc, ça, apparemment, par contre, ça me consomme de la rigolite. Ça consomme de la rigolite, ça me fait de l'hélium 3. Yeah! Alors, par contre, je crois que résultat là, je consomme plus de rigolite que j'en crée, c'est ça? A priori, là je consomme plus de rigolite que j'en crée, donc ça risque d'être un problème. Mais je peux créer, mais là je crée de l'hélium 3. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.